Pepsi ou bien Nutella? Ça n'a aucun rapport, on est bien d'accord, voilà. Mais dites-moi ce qu'on préférait, Nutella ou Pepsi, dans les commentaires tout de suite. Pour un maximum de référencement et pour un maximum d'argent. Bon, soyons un peu plus sérieux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le ciel, hop là, Jay il est arrivé. Il m'a fait, tiens, une idée de vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite story sur Instagram que je vais vous montrer juste ici. Voilà, je vais faire une petite pause pour vous la montrer. Ok, yo les mecs, les cheveux, n'en parlons pas. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, enfin ce soir, je vais faire une vidéo où je réagis à des chaînes qui ont très peu d'abonnés sur Fortnite. Donc voilà, envoyez-moi vos chaînes. Non, plus sérieusement, voilà, donc je voulais découvrir des nouvelles petites chaînes YouTube et vous les faire découvrir aussi. Parce que je sais à quel point c'est compliqué de se faire connaître sur YouTube, donc voilà, j'essaie de vous envoyer un petit coup de boost. Les chaînes Fortnite qui sont cool, je vais les regarder dans cette vidéo. C'est tout de suite, c'est maintenant. Mais avant, petite pause, code créateur. Et les amis, si vous n'avez pas de créateur soutenu dans la boutique d'objets sur Fortnite, il n'y a qu'une seule solution pour le faire, vous allez dans la boutique d'objets sur Fortnite. Pour avoir un maximum de shield, vous mettez le code UMS. En plus, petite anecdote sympa par rapport à ça, c'est que UMS, c'est mon pseudo. U pour Uncono, M pour My et Skill. Et ce qui est sympa, c'est que vous savez, je dis toujours un maximum de shield. Tout est lié les amis, tout est lié. Un maximum de shield, ça fait aussi UMS. Je deviens malade frère, c'est quoi cette merde là? Qu'est-ce qui m'arrive wesh? On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. C'est très important, voilà, abonnez-vous, ça soutient énormément, ça fait extrêmement plaisir. Et on n'oublie pas le signe Joule. Bon, on va d'abord aller voir sur Twitter ce que ça dit. Ah oui, oh là là, oh faut que je vous montre quelqu'un. Ok, alors pour ceux qui ont vu la vidéo où il y a des voyous qui insultent un petit sur Fortnite de 13 ans ou 12 ans, je sais plus. Bref, en gros, ce mec-là, il a une chaîne YouTube, il fait des vidéos, il a chié de rire. Je vais vous montrer ça. Ok, alors vidéo. Alors voilà, il a combien? Il a 385 abonnés. Il a fait des vidéos en gros boutique où il imite Théo, donc l'étoile noire. Parce que voilà, l'étoile noire, il fait des vidéos boutique tous les jours et tout. Bref, vous connaissez, voilà. Ouh là là, ce que je vois, les gars, c'est vraiment du très très mal. Donc on a un nouveau skin, le skin Goupil que je viens de voir. Il n'y a pas plus rusé, il fait partie de l'ensemble fourrure de guerre. Bon, vraiment pas mal. Voilà, il représente un peu un renard, quoi. Ça fait plaisir. Donc voilà, un skin vraiment magnifique, qui est très stylé, mais on va pas se le procurer. On va pas se le procurer, vous savez pourquoi il a dit ce bâtard? C'est peut-être parce qu'il a que 50 V-Bucks sur son Fortnite. Eh, il l'évite trop bien, wesh. Eh, il l'évite pas trop bien l'étoile noire, wesh. Ah, il est trop fort, non. Allez regarder sa chaîne YouTube, elle est dans la description. Vraiment, ce mec-là, des fois, je joue avec lui, il est à chier de rire. Oh, je vous jure. Regarde, en plus, je parle de toi dedans. Vidéo dans les 3,333 secondes qui vont suivre, voilà ce qui va se passer. C'est quoi, on est dans un film d'horreur, là, ou quoi? On est dans Countdown, ou c'est comment, là? C'est quoi avec un homme à skill? Alors, les gars, ouais. Alors, avec un homme à skill, déjà, faut savoir, sur Twitter, comme vous pouvez le voir, on parle beaucoup. Depuis longtemps, c'est lui-même qui m'avait conseillé à Shadowbase pour faire la World Cup avec, et j'avais fait la World Cup avec, donc merci à un homme à skill. Shadowbase, tu m'en dois une. Et à un moment, il a demandé de lui envoyer une photo dossier de lui en DM. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Attends, quoi? Et il m'a insulté. Donc, je suis allé sur son live, vu qu'il était en live, et je lui ai dit, mec, pourquoi t'insultes sur Twitter? Ah, de mal parler sur Twitter là, c'est bon, si tu veux pas que je te mêle, il y a envie de chercher la merde, petite merde, voilà. Donc voilà, tu vois, clairement, il m'a insulté. Donc là, moi, je vais le trouver en game et je vais littéralement l'ex... Non, voilà, c'est bon, wesh. Le montage est propre. Ah, c'est bien fait. Non, il y a de l'idée, en vrai. Je trouve que c'est très original, ça, dans un best-of. Genre, il a fait un montage qui était pas prévu. Non, c'est cool. Oh, j'aime bien. Oh, c'est drôle, là. Oh, t'es drôle. Tiens, ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Genox TV. Ah, t'as 2000 abonnés, gros. On veut aider les gens qui sont dans la hesse. Biroche TV. Si tu regardes, regarde le best of 1, la vidéo avec le défi manette pour savoir directement ce que je fais à ma personnalité. J'ai déjà fait 100 000 vues. Là. En buvant une bouteille d'eau. Putain, 100 000 vues en buvant une bouteille d'eau, frérot. Ouais. J'ai déjà fait 500 000 vues, là. Les gars, c'est Biroche. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une... Elle fout la... Donc on se retrouve du coup pour une petite vidéo qui est en but à chaque kill. On... Merde, c'est quoi déjà? J'ai pas compris là. T'as bégayé mon pote. Le but de la vidéo, c'est qu'à chaque kill, on change de contrôle. Premier kill, on est clavier souris. Deuxième kill, Manette. En tout cas, il y a du montage, c'est ce que je vois. Oh, c'est fluide. J'ai la hauteur.
Ah, c'est une vidéo de qualité en vrai. L'idée est sympa, la vidéo de qualité. Mais le souci, voilà, c'est qu'à 300 vues. Et ouais, les mecs. C'est le souci, ça. Boire encore plus d'eau? Je sais pas, frère. Peut-être boire du Pepsi. Si t'as un dieu, tu t'en fous des mecs et genre tu me réveilles. Là, je suis manette là. Quoi, là, t'es manette? Ouais, je suis manette là. Ah, t'es comme ça quand t'es manette? Putain, je suis 10 fois plus nul. Quoi? Là, oh, il est genre manette. Oh, le genre manette. Je suis éclaté, moi. Ah merde. Oh, le joueur manette. Monsieur, Prisme Srambad et Prisme Comly qui peuvent donner des cours. Tu leur dis que tu viens de ma part et normalement ils donneront des cours à la manette. Ok, non, en vrai, il y a du montage, il y a de la qualité et tout. La même chose que j'ai dit, commentaire constructif, c'est bien parce que c'est drôle et original. Tu vois? En vrai, c'est bien. Ok, maintenant on va passer sur Instagram, les mecs. Et trouver une petite chaîne YouTube sympathique. Je vais prendre cette vidéo, montre mes mécaniques et mon AIM. 882 abonnés. Ah, mais je fais pas du tout de vues. Ah, c'est dommage. En fait, le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de gens qui font les mêmes vidéos. Genre, je vois plein de trucs en mode... c'est des compilations, en fait, de kills qu'ils font. Et après, ils mettent une musique dessus. Les mecs, si vous faites tout ça... Enfin, moi, en fait, je trouve ça cool, tu vois. Mais c'est qu'en fait, il y en a trop... Pour que vous puissiez vous faire remarquer, les mecs. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Tu comprends, toi? Est-ce que toi tu comprends? Si tu comprends, c'est bon. Tu vois, mais ceux qui comprennent pas, je sais pas comment vous faire comprendre. Donc en gros, attends, je vais vous schématiser ça. Imagine, c'est la pire métaphore du monde. Mais imagine, t'as 100 pots de Nutella devant toi. T'as 100 bouteilles de 7-Up ou. Voilà, 100 bouteilles de Pepsi. Les bouteilles de Pepsi, c'est toutes les mêmes. Imagine, il y en a 100 devant toi. Tu t'en fous de celle que tu prends. Tu cliques. Tu vois, tu cliques sur la bouteille de Pepsi, puis tu la prends, tu vois, c'est la même. Bah c'est la même chose avec vos vidéos, les mecs. Le mec, il va voir les vidéos, il va juste en prendre une, puis il va laisser les autres tomber. C'est pour ça que les mecs, faut se démarquer. Démarque-toi comme au foot. Je suis démarqué. Hop là, le mec, il te fait la passe, tu vois. Et bah là, je suis démarqué. Hop là, le mec, il clique sur ta vidéo. Et là, tu fais des vues. Tu comprends ou pas? Entiendes la receta de comprendo? Ça veut rien dire, ce que je viens de dire? Y a un mec qui m'a dit, ma bite. Ma bitre, en plus. Il a mal écrit, il a rajouté un R là, à la place du E. Fenecio YT, je dois avoir soit un beau, même pas. Ok. Ça date de août 2019. Ça date de 3 mois, à peu près. Arrêtez de parler. Attends, mais tu joues avec un nourrisson là. Je me suis bien fait les deux à chaque fois. Ah bah c'est un bébé, ouais, voilà, il a exactement raison, c'est un bébé, c'est ce que je disais, hein. La mère de Tony s'appelle Xavier. Oui, j'ai un problème là. Attends, j'ai un problème. Comment ça, la mère de Tony s'appelle Xavier? Xavier est un prénom masculin. Du basque et Chebelli qui signifie le château ou maison neuve. Comment est-ce que c'est possible que la mère de Tony s'appelle Xavier? Ah, c'est les bébés. Ah, le gamin. Ah, t'es vraiment un enfoiré, Fenecio. En gros, parce que sur Da. Bon, je pense que vous avez compris, mais parce que sa daronne s'appelle. Bon, vas-y, je vais arrêter d'expliquer, c'est bon. Je vous prends trop pour des idiots. Honneur à toi de faire un truc pareil, franchement, c'est vraiment sympa. Ben, merci beaucoup à toi, Anto. Anto, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Je viens de lire ton message à l'instant, là, voilà. Salut, UMS. Ma chaîne, c'est 7KZ. Wataij 13, Wataij je pense. OMG, je bulle comme un G4B. Ouais, bon, tu fais des 90, hein. Il va faire que des 90, vous pensez? Il fait que des 90 depuis tout à l'heure là. Je vous jure. Ah, il s'est fail. Ok. Il va faire quoi? Oh, des 90. Oh, si. Oh, les 90, c'est pas mal, hein. Si. Oh. Oh, il repense en des 90. Oh, oui. En fait, je sais pas s'il troll ou pas. Ça va, tu maîtrises bien les 90. Sinon, tu ne fais pas beaucoup d'edits et ta vidéo n'est pas assez longue. À la fin, ton intro est bien, mais tu ne mets pas des vidéos donc ça sert à rien. Sinon, GG, je me suis abo. GG, gros. T'es chaud, gros. On va s'abonner à sa chaîne. On va activer la cloche de notification au cas où il fait une vidéo. Hop, et on va mettre un pouce bleu. Parce qu'il build comme un G4B. Walid, cool, 1, 2, 3, gaming. Ton live, il a duré 11 minutes. C'est une vidéo, ça. Allez, casse-toi. Super. Bon, bah, je me casse. Je clique à un moment aléatoire de tout son live. J'entends, allez, casse-toi. Bon, bah, salut, mon pote. Ah, dégustation Subway, c'est trop bon. Caméra, luminosité, bonjour. Yo, tout le monde, c'est Shadow World. J'espère que vous allez bien. Bon, on va super dans la nouvelle vidéo. J'ai rien compris, mon frère. Voilà. Mais il a de l'énergie, il a du punch. C'est ça qu'on aime, le punch. 1% de sucre, c'est vrai. C'est un taré. J'ai des tarés parmi mes abonnés. C'est un malade mental, mais tu manges une chips. C'est une chips. C'est comme si je faisais ça, genre. On va commencer par le croix. Attends, je vais juste lâcher dessus pour éviter qu'il tombe. Qu'est-ce qu'il y a à faire?
Thirst and Chips, là, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est ça la question que toute la France se pose. Il récupère l'oignon, ok. Oh, je pensais une meilleure réaction. Bon, on a regardé pas mal de petites chaînes YouTube là. J'espère que ça vous a fait plaisir, les potes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça vous a fait plaisir. Je referai peut-être un épisode 2, voilà, s'il y a vraiment beaucoup de pouces bleus et je vois que ça vous a vraiment plu dans les commentaires. Petit pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche de notification. Là où il y a un épisode 2, n'hésitez pas à mettre votre chaîne en commentaire. Code UMS dans la boutique d'objets pour un maximum de shield. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était UMS. Ciao!